chers collaborateurs, chers élèves. Vous me voyez entouré de 90 élèves, chacun porteur du drapeau de son pays. Ensemble, ils sont également porteurs de l'esprit de notre école. Un esprit international qui se ressent à tous les niveaux. Qui reflète en même temps, d'un côté, le caractère multiculturel de Genève et de l'autre, l'esprit d'ouverture des institutions de la congrégation de Saint-Joseph de Lyon. Le film que vous venez de voir, de regarder, retrace les 26 mois de déconstruction du bâtiment Clergeois et de construction du nouveau bâtiment B17 dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Le bâtiment représente la dernière étape du développement et de la modernisation de notre campus. Le point de départ se situe au début des années 2000. En 2001, le conseil d'administration de l'Institut a pris la décision de construire de nouveaux bâtiments pour répondre aux besoins de l'Institut en pleine croissance avec la création d'une section anglaise et plus globalement en augmentation des effectifs. Il s'agissait également d'améliorer les infrastructures. Si vous comparez le bâtiment B10, conçu au début du XXIe siècle, en deux étapes, en 2005 et 2010, si vous comparez le B10 avec ce bâtiment B17, que vous pourrez visiter tout à l'heure, vous vous rendez compte combien les concepts pédagogiques ont changé et que l'architecture du bâtiment a traduit ces changements. Nous avons réalisé un mix de salles, de classes et d'espaces de travail ouverts pour faciliter les concepts de la pédagogie du XXIe siècle, comme le concept de la collaboration, tout en intégrant les technologies modernes. Préparer les élèves aux défis qui les attendent dans le futur et pas seulement aux diplômes qu'ils préparent doit être l'objectif de toute institution éducative. Il ne faut pas oublier que nos plus jeunes élèves, qui ont 3 ans et qui ont commencé leur scolarité cette année, ont de grandes chances de vivre le début du 22e siècle. Ils connaîtront des changements importants de leur vie active qui nous poussent à innover. En plus des étages de ce bâtiment dédié à l'enseignement, vous pourrez visiter aussi au rez-de-chaussée la nouvelle cafétéria et les salles d'art, ainsi que les bureaux de l'administration qui se trouvent au 3e étage. Nous vous accueillons dans ce nouveau gymnase modulable en salle de spectacle, qui est à l'image de notre ambition qui est, à travers la construction de ce bâtiment, d'améliorer les conditions de confort de tous. Un remerciement tout particulier va aux architectes du Bureau des Boules et en particulier à Sophie Chomard et Marc Gironi pour la conceptualisation et la réalisation de ce bâtiment. Ils ont trouvé les solutions pour traduire nos concepts pédagogiques innovants en concepts architecturaux. La suite du programme maintenant, ça sera une chorale de Year 5 et Year 6 après que les élèves avec leur drapeau ont quitté la scène. Merci pour votre attention. Décision a été prise de démolir ce deuxième bâtiment et de le remplacer par celui que nous inaugurons ce soir. Il s'agit en l'état de la dernière construction possible, eu égard au fait qu'il n'existe pas d'autre emplacement sur la parcelle. La durée des travaux que nous inaugurons ce jour a été de 2 ans, soit de juillet 2015 à fin août 2017. Le planning des travaux, ainsi que les délais et les coûts, ont été respectés. À cet effet, il y a lieu de souligner l'excellente collaboration entre la direction de l'Institut, respectivement le maître de l'ouvrage, et le bureau d'architecte Duboul, ainsi que le bureau Pilet, directeur des travaux. Plus de 60 entreprises
ou corps de métier représentant environ 100 personnes y ont travaillé, ainsi que 10 bureaux d'ingénieurs. Le financement de cette nouvelle construction, comme d'ailleurs celle entreprise ces dernières années, a été assuré par UBSSA. Nous tenons à remercier chaleureusement les personnes responsables avec qui nous étions en contact pour leurs compétences et l'intérêt constant qu'ils ont manifesté à notre égard. Après 3 mois de recul, un premier bilan permet de constater que les élèves apprécient, pour ne pas dire, ont pris possession de ce bâtiment, notamment de l'open space que je vous ai l'occasion de visiter tout à l'heure. Il y a lieu toutefois de porter une attention toute particulière pour éviter une ségrégation entre les grands élèves qui se sont appropriés ce bâtiment par rapport aux plus jeunes. Ce bâtiment est conforme à l'usage, bien qu'il engendre au niveau des professeurs des changements d'habitude par rapport à la manière d'enseigner prodiguée dans les autres bâtiments. Il y a lieu de noter que cette conception est basée sur celle de pays nordiques visités par notre directeur général et de responsables de section qui, sur le plan de l'enseignement et de l'éducation, sont parmi les plus avancés en Europe. De nouvelles structures de sécurité ont été installées afin de cibler les personnes ayant droit d'accéder au site, puisque l'ouverture des portes principales est actionnée avec des badges. Ce système présente l'avantage de déterminer avec précision les noms des personnes se trouvant dans l'enceinte, respectivement dans la zone sécurisée. À ce sujet, je rappelle que notre institut regroupe plus de 1400 élèves, 450 élèves, répartis dans plus de 85 classes, que ces étudiants sont des ressortissants de 90 nations dont nous avons apprécié avec beaucoup d'émotion leurs drapeaux, les drapeaux des pays qu'ils représentent. Notre école est privée, catholique, sans but lucratif, ouverte à toutes les régions et sans distribution de rations. Son but est d'accompagner des générations d'étudiants qui demain se trouveront aux commandes pour la plupart d'entre eux et qu'ils puissent, au travers de l'éducation reçue, contribuer à apporter la tolérance, le dialogue, le respect et pourquoi pas la paix. Comme 38 autres écoles en France et en Belgique, notre institut fait partie du réseau des Sœurs Saint-Joseph de Lyon, avec lequel nous entretenons d'excellentes relations. Ceci nous permettant de mettre dans le cadre d'une synergie en commun nos expériences. Notre institut se situe au 3e rang des écoles privées de Genève, qui comprend environ 14 000 élèves, dont 10% en son sein. Monsieur le conseiller administratif relevait, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui, conseiller administratif de la ville de Lancy, est très vraisemblablement un des rares conseillers administratifs des communes genevoises, de s'enorgueillir que sur son territoire, il y a 2 institutions, l'Institut Florimond, qui est au Petit Lancy, et le nôtre au Grand Lancy, et qui regroupe en gros plus de 20% de l'effectif des écoles privées. Par ailleurs, et sans dans une vision de partage, notre institut soutient des projets ayant trait à la construction ou à la rénovation d'écoles en Égypte, au Burkina Faso, aux Indes et notamment au Sri Lanka. Mais également vient en aide à des écoles du réseau qui n'ont pas les moyens financiers de procéder à des travaux de rénovation. Un événement mérite d'être souligné, ce sont les excellents résultats obtenus par nos étudiants aux examens officiels du baccalauréat français, au baccalauréat international, ainsi qu'au diplôme national des brevets à la fin de l'année 2016-2017. Une forte proportion a obtenu la mention « très bien ». Une élève a obtenu 45 points, une autre 44 sur 45. Il s'agit historiquement
des meilleurs résultats de notre institution à ce jour. Nous les félicitons bien naturellement, sans oublier leurs professeurs qui en sont certainement responsables. Je ne voudrais pas terminer mon allocution sans remercier mes collègues du Conseil, la tutelle du réseau des Sœurs de Saint-Joseph de Lyon, l'ensemble du corps professoral, nos collaborateurs administratifs, ainsi que nos responsables de la logistique, ainsi que M. Norbert Forster, directeur général, qui terminera sa carrière professionnelle à la fin de l'année, M. David Cléva, directeur en charge de la pédagogie, M. Olivier Largeteau, directeur en charge de l'administration et des ressources humaines, et de la comptabilité, et de la logistique, et j'en rajouterai pas plus. Mes vifs remerciements vont également aux élèves, qui sont nos ambassadeurs, à leurs parents, qui nous font confiance, à la ville de Nancy, avec laquelle nous entretenons d'excellents contacts, à la paroisse du Grand Nancy, aux responsables de l'administration cantonale, notamment pour la mise en place de la maturité cantonale que notre institut entend développer dans les mois à venir. Puisse l'événement que nous partageons ce jour être le symbole du rassemblement de toutes les nationalités et religions composant notre institut, dont la devise est « Que tous soient un ». Comme nous sommes entre nous, nous sommes bien entre nous. Nous inaugurons ensemble un bâtiment qui nous tient à cœur et qui permet de développer la capacité de nos enfants. Je donnerai une citation qui n'est pas de moi, mais qui m'a été rapportée par M. Cléva lors de la dernière séance du Conseil. Être chez moi, c'est là où je suis. Je vous remercie de votre attention.